Merci. Après ces explications de vote, je vais donner la parole aux commissions ayant travaillé sur le projet de loi. Madame la rapporteure de la commission. Oui, monsieur le président, mesdames les ministres, chers collègues. Moi, j'ai envie de dire que ce matin, eh bien, c'est à l'image de ce que nous vivons depuis plusieurs jours et plusieurs nuits, une image concentrée qui donne bien une vision différente. D'un côté, des propos alarmistes, alarmants, pessimistes, parfois prédictifs, d'un monde que l'on sait ne se produira pas. Ça ne sera pas ni la révolution, ni le chaos. Quand on regarde les autres pays en Europe qui ont ouvert ce droit au mariage, et encore cette semaine, un peu plus loin en Amérique du Sud, on voit bien que ce n'est pas ce qui se présage. Mais vous voulez faire peur. C'est sûr que cette vision que vous avez de la famille, vous sentez, vous l'avez dit tout à l'heure, perdre un peu pied. Et c'est au nom des mêmes valeurs que vous, dans l'intérêt de l'enfant, que nous aussi, on défend de ce côté une vision plus progressiste, plus inclusive, incluante de toutes les familles et de toutes celles et ceux qui veulent faire famille, quelle que soit leur orientation sexuelle. Donc moi, je remercie toutes celles et tous ceux qui ont contribué à faire que cette loi voit le jour aujourd'hui, et je m'apprête avec fierté et avec conviction à la voter. Merci, monsieur le rapporteur de la commission des lois.